Et donc salut à tous et à toutes, c'est Aro Canadis et donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur mes poussins, partie 5, troisième couvaison. Donc là ils ont à peu près 2 mois et 3 semaines il me semble. Oui, presque 3 mois. Voilà. Donc là, comme vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois, c'est dur de les suivre parce que pour zoomer tout ça, ils sont tellement sauvages et puis voilà. Donc aussi ce que je voulais dire, c'est en ce qui concerne l'annonce sur le bon coin, je l'ai mise, mais voilà, donc ça y est, elle y est. Parce que je voulais les vendre, enfin, pas très cher, parce que je voulais, parce que j'en ai beaucoup trop, et puis je m'attendais pas à avoir une si bonne couvaison, c'est pour ça que j'en ai donné à des personnes, parce que avant j'en avais 15, et maintenant j'en ai 9. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc après je sais pas si l'annonce a été mise, donc si j'ai bien fait, donc après si elle a... je sais pas. Donc je verrai bien, parce que normalement ça met un ou deux jours je crois pour qu'elle se mette. Donc là ça fait même pas un jour que je l'ai mise, il me semble. Ouais, je verrai bien. Donc ouais. Donc je vais arrêter de parler parce que comme je vous avais dit, je parle trop dans mes vidéos, donc je vais arrêter de parler un peu parce que voilà. Là. Donc là c'est bien parce qu'il bouge pas beaucoup. Oui, la poule, dès qu'il y a un seul petit bruit, elle est distraite, enfin, elle est stressée comme je sais pas quoi. Si vous voyez comment elle est sauvage, mais... Ah oui, j'ai à peine avancé d'un pas et par rapport au cobrama, qui lui n'est pas du tout sauvage. Voilà. Vous voyez. Et donc là, et voilà, ils rentrent dans leur buisson et là je peux plus du tout, plus trop filmer. Et je vais être obligé d'aller de l'autre côté. Bouge pas, bouge pas. Là, on a un petit qui s'est qui est parti de la troupe là. Je pense pas que cette vidéo durera longtemps parce que ils sont voilà, donc à ce niveau là elle dure pas longtemps parce qu'ils sont mis à chaque fois qu'ils vont tout le temps dans les buissons, donc ils sont très très pénibles sérieusement. Là, on va essayer de on va arrêter la vidéo parce que là peut-être pas, on peut toujours les... Donc la vidéo va pas tarder à se finir parce que voilà. C'est très très dur pour les filmer. Et on va repartir dans les buissons. On va essayer de la faire aller. Donc là la poule... Voilà. Donc là voilà, ils vont partir. Et donc voilà, on va pas plus durer cette vidéo plus longtemps parce que voilà, c'est pas la peine. Enfin, ils sont trop agités. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et pour plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut !